Hey, salut à toutes et à tous, et nous voici parti pour une nouvelle vidéo sur Banjo-Tooie. Et aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir continuer l'aventure dans ce magnifique château. Parce que si vous vous souvenez, on avait eu droit à la sorte de vol, enfin... On était en Banjo et Kazooie en train de voler. Et le but c'était de ramasser des... Ah non, de tirer sur des je ne sais plus quoi. J'ai déjà oublié pour vous dire à quel point ma mémoire est courte. Et on devait avoir je ne sais plus combien de points. Et ensuite on avait réussi à avoir une pièce de puzzle. Mais on avait aussi remarqué qu'il y avait une partie où j'avais l'impression qu'on pouvait seulement rentrer avec Kazooie. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Séparation, please. Please. Allez, séparez-vous. Voilà. Moi je veux Kazooie. Voilà, donc là on va prendre le point de vue de Kazooie et on va tout de suite aller voir s'il y a un truc ou non. Oh, tu vas pas te coincer Kazooie, hein, s'il te plaît. On est en début d'épisode, alors fais bonne impression aux viewers. Ah oui, donc c'est bien ça, là il faut Banjo Kazooie. Et là il fallait juste Kazooie. Bon, qu'est-ce qui nous attend? Peut-être une course parce que Kazooie, après tout... Oh, qu'est-ce que je vous avais dit? En plus on a les bottes. Bienvenue au jeu Boclovita et ça, vous avez 60 secondes pour marquer 30 points. Voulez-vous prendre connaissance des règles? Allez, oui, vas-y, balance. C'est simple, vraiment, sauter à travers les cerceaux. Les bleus valent 3 points, les verts valent 2 points, et les bleus et les rouges valent 1 point, c'est ça? Comme la précédente fois, et les rouges juste 1 point. Oh là là, j'avais déjà tout prédit! Allez, lancez-vous! Allez, vas-y, balance. Et 3, 2, 1, go! Oui, oh oui, j'adore. Allez, go! Non mais... Allez, go, 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 go. Oh, toi, tu vaux 3 points. Toi, tu m'intéresses. Toi, tu vaux 2. Allez. Allez, on y va. Ça, c'est quand même un petit peu plus simple et plus maniable que l'autre truc qu'on avait eu. Ah, on a botte infinie pour la course, j'ai l'impression. Allez, allez. Ah, je me suis loupé. J'espère que c'est pas le point ou les deux points qui me manqueront à cause de ça. Aïe 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 aïe. C'est combien il fallait marquer? 30 points non? Oh mais c'est easy! Oh si c'est 30 points! Vous êtes sérieux? L'autre jeu c'était mais tellement d'une chance pas possible! Et là faut juste marquer 30 points! Oh mais vous êtes sérieux? Bon on va quand même le faire sérieusement, on va essayer encore d'en marquer quelques-uns. Ah non je me suis loupé, loupé, loupé. Allez! je loupe tout. Heureusement que j'ai marqué les 30 points depuis un bon moment, sinon j'aurais été dans le bazar. Non, impossible, vous avez marqué suffisamment de points pour gagner le prix de boucle vitesse. Pourquoi ils font pas des jeux comme ça au lieu de jeux où on doit voler et tirer sur des cibles qui sont mouvantes? Ah, c'était des ballons. Ouais, elles étaient mi-mouvantes, dirons-nous, mais le contrôle est juste... difficile. Souhaitez-vous rejouer? Non, je veux ma pièce. Vous m'avez aussi rappelé en commentaire qu'il faudrait retourner dans le monde précédent, enfin le niveau plutôt précédent, vu qu'on pouvait aussi séparer Banjo et Kazooie. Vous inquiétez pas, ça, je m'en souvenais. Mais avant, on va faire aussi un autre truc pas mal, qui est avec le chouchou. Parce que maintenant, si vous vous souvenez, le dernier épisode, on avait libéré le passage pour le train. Avec l'endroit où j'ai crié comme une petite fillette, et je n'en ai pas honte. Et normalement, on devrait pouvoir prendre le chouchou. Parce que je pense que si on parle... Enfin, il y a sûrement moyen de se débrouiller pour faire en sorte que le train vienne et pas aller d'un monde à l'autre à chaque fois où se trouve le train. Surtout qu'on doit le prendre pour le dinosaure. Parce que oui, je sais pas pourquoi le dinosaure avait forcément besoin qu'on vienne le chercher. Ah aussi, il y a le gros, là, le petit gros qui... je sais, c'est méchant de dire ça, mais... Là, l'enfant de la maman qu'on doit aller chercher aussi et ramener... Pour l'instant, allez, on va aller plutôt du côté du chouchou, parce que ça au moins on sait où c'est, comparé au petit gros, enfin on sait où il est, mais on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Alors, c'est où la suite? C'est à gauche ou à droite? Alors là, c'est la bonne question. Droite, allez droite. Je crois, j'ai plus souvenir que c'est sur la droite que sur la gauche. Ouh, hey, toi avec ton marteau, tu vas pas m'embêter. J'arrive à peine et on va déjà m'écraser. Bon, d'un côté, ils sont un petit peu là pour ça, sinon ils serviraient à pas grand-chose. C'est ici. Ouais, c'est ici. Alors là. Regarde, on avait essayé de sortir, mais ça marche pas. Aïe! Oh! Toi, bim! Un peu de respect, s'il te plaît. Aïe, il y a le panneau avec le chouchou. Allez, chouchou.
Chouchou, tu veux le chouchou? On peut pas parler? Ah si. Chuffy est en train de charger le minerai dans la mine miroitante. Oui. Souhaitez-vous que Chuffy vous ramasse? Oh yeah! Donc oui, on peut bien faire en sorte de faire venir. Alors nous ramasse, je sais pas par contre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il vient juste devant nous, il va faire quoi? Ah, ça c'est la question. Allez Chuffy! Ici mon coco! Je t'ai foutu ta raclée, alors maintenant tu me dois un dévouement total jusqu'à la fin de tes jours. Allez, ramène-moi le train. Par contre, est-ce qu'on peut monter dans le train et aller dans un autre monde? Ou... Enfin, je me demande si on peut monter dans le train. Normalement, oui, parce que dans la mine miroitante, on pouvait. Alors là, on devrait aussi. Est-ce qu'après, à l'intérieur, on peut aussi se déplacer? Je sais, désolé, je me pose plein de questions, mais il faut aussi que je vous les dise, histoire qu'on soit au clair. Et qui sait, peut-être qu'après... Enfin, généralement, c'est en posant les questions que parfois, je m'éclaircis automatiquement. Ah, voilà, caverne des horreurs. Oh, j'entends le train qui arrive! C'est l'heure! Ah, il vient tout seul! Ah, je pensais qu'il fallait. Enfin, j'avoue, je sais même pas comment on aurait pu le chercher vu qu'il n'y avait pas vraiment de ligne de chouchou. Ah! Viens ici, mon petit dino. Et par contre, je dois t'emmener où? Ça, c'est la question. Allez, on monte! En voiture toute! Est-ce qu'il y a... Mais il voulait aller où, lui? C'est la question, par contre. Il est où le dino? Dino! Ah non, t'es monté à l'arrière. Ça me sert à quelque chose de revenir ici, parce que je crois que à part ne plus avoir d'oxygène, ça va pas faire grand-chose. Non. La chaudière de Chuffy. Ouais, non, ça ne sert à rien. Par contre, j'aimerais juste croiser le dino. Ah, peut-être là. C'est ça? Attendez, je crois que c'est là, non? Ah, choisir destination. A, confirmer B, annuler B. D'accord. Et donc, faut aller où? On va aller dans... Moi, ce que je vous propose, on va tester, j'ai envie de voir ce que ça donne. On va aller dans la mine miroitante. Et en plus, on va essayer d'avoir la pièce de puzzle qui me manquait. Celle où on a besoin de séparer Banjo et Kazai. Par contre, j'ai plus trop souvenir exactement l'endroit exact où c'est. Donc peut-être qu'on va passer deux petites minutes à chercher, voire un petit peu plus, qui sait. Oh, on voit le monstre à côté, à gauche. Ah, oh, il est joli, il est tout beau. Allez, dépêche. Ça, c'est vrai que je vous l'avais déjà dit je ne sais combien de fois, mais la... C'est-à-dire la connexion entre chaque monde, par exemple avec le train ou avec Dilbert à la taupe, avec le petit passage, ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Et c'est peut-être ce qui manquait aussi dans le premier opus, hein. C'est vrai que ça aurait été sympa. Bon, il était déjà tellement bien que on pouvait pas demander mieux à l'époque, et on n'y pensait surtout pas. Alors là que... Donc, est-ce que l'autre, par contre, on peut le sortir? Ah, il est derrière, voilà. Ah, en plus, on rentre dedans, carrément. Tu vas me dire où t'as envie d'aller, toi? Le wagon de Chuffy. Oh, mon pâté, t'es trop mignon. Un ticket pour Pteridactyland, s'il vous plaît. Pteridactyland, donc ça, je dois supposer que c'est un autre monde. Le monde des dinosaures, peut-être, hein. Pteridactyland, ça fait bien penser à un truc dans ce genre-là, surtout qu'avec l'autre, un dinosaure, où vous voulez l'amener. Trouvez les interrupteurs pour la porte du tunnel sur les autres mondes pour permettre à Chuffy de voyager entre les stations. Ok, donc dans chaque monde, il y aura sûrement un interrupteur à activer pour pouvoir libérer le passage et pouvoir passer avec Chuffy. Ok, bon, pour l'instant, objectif, retrouver l'endroit pour avoir, je crois, la dernière pièce du monde. Il y en avait une autre. Ah non, il y en avait une autre parce qu'il y avait des bottes sauteuses. Mais je crois pas qu'on a... Non, non, le pouvoir sur avec les bottes sauteuses, on l'a toujours pas. Donc il nous manque deux pièces dans ce monde. Alors là, c'est la question, c'est où faut aller. Yaaaaaah! Ouch! Ou non, esquive. Peut-être plus de ce côté. Oui. Je crois pas. J'ai souvenir que c'était... Ah, si, je me souviens. C'était un endroit où il y avait un rocher et on pouvait pas rentrer. Il fallait qu'on ouvre... Si, en fait, je vois l'endroit, je visualise. Mais alors, comment y aller? Ça, c'est encore une autre question. Ouais, mais maintenant, ouais, ça va être... Au pire, si vraiment j'ai du mal à trouver, vous inquiétez pas, je vous ferai une courte ellipse. Et pour l'instant, on va chercher ensemble. Alors, c'est les vacances, hein. Enfin, c'est comme tout, hein. Si vous regardez cette vidéo à l'heure où elle va être publiée, je pense que ce sera sûrement les vacances. Alors, si vous la regardez 2 mois, 3 mois après, malheureusement, ce ne sera plus le cas. Vous serez déjà à la rentrée, vous pourrez déjà pleurer et dire « Non, j'aimais les vacances ». Les vacances, c'est bien, c'est vrai. Heureusement, c'est... On apprécie les vacances parce que justement, durant l'année, on bosse. Enfin... En tout cas, on essaye, on fait ce qu'on peut, hein. On va pas pousser mamie dans les orties, comme on dit.
C'est vrai que, avoir, enfin moi je sais pas pour vous, mais les vacances, en général, j'ai un petit peu plus de 2 mois. Ah oui, c'est ici, voilà, c'est l'endroit que je voulais. Voilà, c'est là. J'ai un petit peu plus de 2 mois, je dois peut-être avoir 2 mois et demi, voire 3 mois. Mais d'un côté, dites-vous, vous avez de la chance, parce que moi, le premier semestre à l'Uni, en général, j'ai pas de vacances. Donc ça veut dire que je m'enchaîne de septembre à décembre sans vacances. Après, bien sûr, j'ai les vacances de Noël, hein. Ça, c'est normal. Mais... dites-vous que vous êtes parfois chanceux d'avoir autant de vacances. Alors que certains pensent que vous avez pas forcément beaucoup de vacances, mais plus vous avancez et plus vous dites « Oh, que c'était bien avant quand j'avais droit à les vacances. » Ouais, donc il faut séparer Banjo-Kazooie. C'est où la plateforme là pour les séparer? En dessous? En dessous? En dessous? Allez, toi tu veux me chercher? Tu me cherches de crosse? Non? J'en profite pour vous raconter ma vie quand j'ai rien à faire. C'est très intéressant, vous me direz. Alors, là, il y avait le petit interrupteur. Bon, elle est où cette plateforme? Ah, peut-être dehors. Ah, si, si, non, elle était dehors, elle était dehors, elle était dehors. Je fais des bêtises. De souvenir, elle était sur un monticule, je crois. Ouais. Ouais, non, elle doit être... elle est au-dessus, je crois. Elle est là. Ah, vous voyez, n'empêche, j'ai beau avoir une mémoire de poisson, je me souviens quand même de petits éléments qui peuvent nous être un petit peu utiles. Et vaut mieux, parce que sinon, on va mettre 10 ans à avancer et ça va pas être le top. Là, peut-être. Non. Elle est où le machin? Il y a 3 monticules, je suis allé prendre les 2 où il n'y avait pas. Voilà, c'est ici. Donc là on sépare. On va dire que Kazooie fera la route. Hein. En plus Kazooie est rapide. Par contre il glisse un petit peu alors. Ah, sur une route comme ça c'est peut-être pas pratique. Allez, on va tenter et si c'est trop galère on changera. Déjà, Banjo, voilà. Mets-toi là-dessus. Ah ouais, et peut-être Banjo il est plus lourd, donc c'est le seul qui pourrait vraiment actionner l'interrupteur. Au sol du générateur. Donc là on a mis la lumière. Et là on va changer de perso, c'est ça? Je fais un petit... Je fais A, non? Ou je prends directement Kazooie? Voilà, là on reprend Kazooie, on prend le contrôle de Kazooie, et on va pouvoir aller s'occuper. Non c'est pas ici. C'est où? Ah mais si c'est ici, pouah. Non c'est là, voilà. Je me disais bien, ça me paraissait bizarre, j'avais plutôt l'impression qu'on allait sortir de la mine, alors c'était pas top, mais... Et on prend en bas. Ah, et de toute manière, on n'aurait pas pu monter, il y a une échelle. Je suis bête. Ouais, c'est vrai. Ok, la route. Y a un piège ou y a pas de piège? Désolé, moi je coupe, hein. Moi je suis un fou. Ah, je suis mauvais. Putain, j'étais persuadé que j'allais atterrir où il fallait, et qu'est-ce que je fais? Je tombe... Ah, c'est cool au moins. Vous me direz, ils nous font reprendre là, donc c'est déjà un point positif. Bon, je pense qu'ils se sont dit, au cas où qu'il y a un idiot qui tente de faire le grand saut et qui se loupe, alors que c'est possible, ben voilà, je sais. Parfois j'ai des idées, je sais pas d'où elle... Oh, trop cool, il peut faire le saut même sans Kazooie. Je sais pas d'où viennent mes idées. Ouh, oh, t'es trop fort, Kaz. Banjo, je t'admire avec ton saut. Manquerait plus que Kazooie pour faire la galipette. On est d'accord, c'était possible, c'est juste moi qui me suis loupé bêtement, quoi. Bon, je vais sauter en fait, je vais quand même faire le saut mais que sur la plateforme et pas faire le fou à essayer carrément de ratterrir sur la planche qui relie les 2 plateformes parce que c'est là où je me suis loupé et bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez hein? Quand on fait le grand saut, bah là hein. Vous prenez des risques, après vous assumez. Heureusement que c'est qu'un jeu. Oui, heureusement, parce que sinon ce serait un petit peu mal. Ça ferait juste un petit peu mal. Voilà, donc là on va pas refaire de bêtises. Donc. Voilà. Oh, oh oui, oh ça c'était beau. Ouais, je sais, j'ai la flemme en fait de faire tout le parcours, surtout que c'est un petit peu... Non, mais pourquoi? Ah, il glisse. Ah ouais. Bon bah, à chaque fois vous aurez droit à cette musique. Tu peux pas me faire reprendre directement avec Banjo? Ou tu pourrais pas me faire carrément reprendre sur l'interrupteur avec Banjo? Ce serait aussi plus rapide. Ouais bon, hein, on va pas demander trop, il pourrait carrément nous faire un gros game over, nous refaire sortir la mine, nous remettre au début, et nous faire faire tout le chemin. Mais ils sont pas cruels à ce point-là, donc je vais pas non plus m'amuser à trop critiquer à ce niveau-là. Ouais. Ils sont gentils. Donc, on va recommencer. Et cette fois-ci, on va essayer de ne pas faire trop de bêtises. Surtout que Banjo, il peut encore se raccrocher au bord, alors Kazooie, non. Kazooie, non, non. Oh, j'en suis sûr que vous adorez cette cinématique d'éclairage. Alors, allez,
pour le plaisir, je vous la refais. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Ça vient du fond du cœur, croyez-moi. Oh, ils nous l'ont parfaite. Oh, vous êtes déçus, hein. Si vous voulez, je vous fais une ellipse et... non, je rigole. Ah, comment détourner toutes les bêtises que j'arrive à vous faire en un seul épisode, quand même, hein. Ça, c'est incroyable, hein. J'arrive à faire autant de bêtises. Donc, concentration. Voilà. Donc, là. Le petit saut. Voilà, donc, après un petit saut, on y va doucement. Parce que le problème, c'est que Katzoy, voilà, il veut aller trop vite. Ah oui, j'ai appris un truc au dernier épisode, après vous avoir laissé. En fait, je peux tourner à l'infini, parce que je pensais en fait c'est en appuyant qu'on tournait un petit peu. Et après, quand je lâche, voilà. En fait, je peux essayer un petit peu de mieux contrôler la caméra. Et là, c'est ce que je vais un petit peu essayer de faire. Voilà. Non. Non plus. Attendez. En fait, ça tourne vraiment assez mal, donc vous êtes obligé de prendre une sorte de périmètre de sécurité, voilà. Donc là, voilà, on va faire comme ça, et là on tourne, et pouf, on arrête. À peu près bon, pas de bêtises, Katzoy va y arriver. Oui, yes! 23 pièces de puzzle. Oh non, et on est obligé de faire le retour? Bon, là, ça va aller. On fait les fifous. Yala! Je me fais peur à moi-même. Ah oui, au départ, les planches, elles sont assez grandes, donc ça, c'est vrai que c'est... On craint pas grand-chose, sauf si on est assez doué comme moi et qu'on fait une glissade de la mort. Donc, Banjo, viens là. Je vais récupérer mon ami Banjo. Allez, je peux pas monter? Ah bah bien sûr. C'est prévisible. Donc en fait, je suis obligé de retourner carrément sur la plateforme. Là, ça fait qu'on a... Il ne manquerait qu'une seule pièce. Et après, on aura fini complètement ce niveau. Allez. M'en voulez pas, je bois un petit coup. Je mets la gorge qui s'assèche. Ah, voilà. C'est quand même l'avantage d'avoir une manette de PS3, c'est que c'est assez pratique de s'en sortir avec une seule main. Vous me direz, avec une manette de 64 pour se déplacer, c'est pas non plus compliqué. Hein. Ouais. Je vous conseille vraiment, si vous avez jamais vu la tête d'une manette de Nintendo 64, d'aller la voir parce que c'est très spécial. Ça fait bizarre, c'est vrai que c'est... On a du mal à s'imaginer que ça pouvait être une manette. Mais c'est très... Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire l'ergonomie de la manette était top. Elle était bien, mais elle a été critiquée, et surtout qu'il y avait la partie gauche de la manette qui servait pas à grand chose. Moi je m'en souviens, il y avait Pokémon Stadium sur 64, si certains d'entre vous connaissent, et il y avait des mini-jeux que je faisais avec des potes. Et là c'est vrai qu'on avait besoin, il y avait je crois le truc des Topicers ou d'Excellang, enfin il y avait plein de mini-jeux. Alors c'est vrai que ce que je vous dis peut-être ça vous dit rien du tout vu que vous connaissez pas. Mais c'était encore assez bien exploité dans cette partie. C'est vrai que ce serait un truc que j'aimerais bien vous faire une petite vidéo délire si j'arrive un jour avec un pote. Parce que c'est vrai que les mini-jeux qu'ils nous proposaient sur ce Pokémon Stadium, ils étaient vraiment excellents. C'est dommage quoi que... Là c'était... Ça me rappellerait, c'est un peu la nostalgie. Des petits trucs comme ça que vous avez joué dans le passé et vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien y rejouer ?» Ça me manque tout ça. Le train il est où juste? Ouais, parce que là en fait je suis juste en train de suivre les rails, mais... Ouais bon là ça tourne. Attendez, je vais voir si la plateforme là, elle peut pas directement m'emmener à la gare? Ce serait plus pratique. Allez. Alors, près de la gare. Ah bah si, bah voilà hein. Que demande le peuple? Une téléportation directement à côté de chauffer le train. Ah... Je sais pas pour vous, mais moi, c'est vrai que les consoles qui, quand même, m'auront le plus marqué, ça restera sûrement la Nintendo 64 et la PS2. Pour la Nintendo 64, je vous parle pas des grands jeux du nom, Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Mario 64. Bon, après, il y avait quoi que je jouais? Pokémon Stadium, ça, je vous l'avais dit. Pokémon Snap aussi, je jouais. Ah, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je réfléchis en même temps. Sorcière Land. Oui, Sorcière Land. À quoi d'autre je pouvais jouer comme jeu de sympa? Petite question. J'avais un autre jeu, mais j'ai même plus le nom tellement il était peu connu. Ah, je crois que j'avais le jeu Tarzan, j'avais aussi Buzz l'éclair, de souvenir. Enfin, je les ai juste derrière moi, hein. Je les ai toujours avec ma console, c'est juste derrière moi. Mais bon, en vidéo, je vais pas aller m'amuser à me tirer le tiroir, à vous dire tous les jeux. Après, en PS2, ah, les grands noms des licences, Ratchet & Clank, le Jak and Dexter, les Final Fantasy...
Là aussi, c'était des jeux vraiment qui m'ont quand même pas mal marqué. Aussi, les Dynasty Warriors, c'était pas mal. Enfin, qui font partie aussi d'une des licences que j'adorais. Ah, y a vraiment un paquet de jeux, quand j'y repense. J'ai le tiroir qui est plein, vous me direz. Ça me rappelle des souvenirs, et c'est vrai que c'est vraiment... La PS2, ça a été la dernière console où j'ai vraiment eu beaucoup de jeux. Après, la PS3, j'ai eu... Bon, les Metal Gear Solid aussi, j'adore, je suis un grand fan. J'ai oublié de vous dire. Là, après, la PS3, je l'ai acheté de base, c'était juste pour les Metal Gear Solid, Final Fantasy et Kingdom Hearts aussi, voilà, Kingdom Hearts. Donc, je vous ai oublié de vous parler, qui est aussi une licence que j'adore, qui est géniale. Et j'attends toujours Kingdom Hearts 3 depuis 10 ans, mais tout va bien. Les fans comprendront pourquoi je gueule enfin, en disant ça, parce que ça m'énerve un petit peu. Enfin bon, ils sortent des épisodes sur portable. Bien sûr, j'ai pas la 3DS, donc vous me direz, je peux pas faire grand-chose. Mais... Ni la PSP. Bon, oh, regardez ce que j'arrive à faire. Oh, c'est possible de faire ça? J'ai jamais eu l'idée de tester. Oh, regardez. Oh, mais on pouvait. Oh, mais... J'ai fait ça par pur hasard en vous parlant, je pensais même pas que c'était possible. Et regardez ce que je vois là. Ce sont des bottes escalagriffes, mais il faudra me trouver avant de pouvoir vous en servir. Oh, des bottes ventouses. Oh my god. Eh, j'ai même pas eu l'idée d'essayer. Alors là, il y a une question qui me turlupine toujours. C'est comment faire pour aller... Où est le truc de Mambo? Le machin... Non, reviens, remets... Non, reviens. Non, mais je veux pas ça. Je veux que tu me... Non. Voilà, ouh. Je veux pas tomber... Là, reviens sur cette plateforme. Maintenant, on a une petite vue de l'ensemble. Moi, c'est le crâne Mambo que je cherche. Là, je sais pas comment y accéder. Mais attendez, peut-être que si on tire un projectile explosif, peut-être que ça fera quelque chose. Je crois pas que j'ai eu la curiosité de tester jusqu'à maintenant. Bon, attendez, on va tester. Allez, on a rien à perdre. Oh. Allez, toi. Oh, peut-être que c'est ça depuis le début et que j'ai pas eu l'audace de tester. Ce qui serait dommage, mais bon. Bim. Oh, c'était ça. Mais vous êtes sérieux? Et pourquoi j'y ai pas pensé depuis le début? C'était... Oh, pourquoi j'y ai pas pensé? Là, je sais ce qu'il faut. Là, on a encore Mambo. Il y a trois endroits où on en a besoin pour l'instant. Dis donc, pour une fois, Mambo il va nous servir plus que ce qu'on a l'habitude. Par contre, alors, Mambo va me servir. Mais où est-ce qu'il est? Il est où le Mambo là? Il se cache? Il joue à cache-cache? Ah, c'est pour ça les escalagriffes. C'est pour escalader le mur là. D'accord, je viens de comprendre. Y'a rien d'autre, je suis obligé de venir sous forme de voiture, automobile. Oh, attendez, là on peut monter. Enfin, y'a un truc pour sauter. Parce que là, y'a des notes de musique. 10, voilà, 5. Là, et bim. Donc là, je crois que par contre, on les a toutes, si je me trompe pas. Voir Toto, allez, regardons ensemble. 100 sur 100. Donc là, on les a toutes. Les pièces de puzzle, il nous en manque 7. Les alvéoles, il nous en manque 2. Un machin pour Mambo. Et deux Jinjo, mais vu qu'on sait où, on sait qu'il y en a un ici, donc déjà ça, il en resterait qu'un. Vous voyez, là-bas on pourrait escalader pour aller là. 51. Bon. Ah, pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est d'aller chercher la voiture. Je vois pas grand-chose d'autre. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, go chercher la voiture. Et là, ce qui m'intrigue aussi, c'est le machin pour... là où on doit taper avec le marteau. Attendez, on peut se téléporter parce que j'ai pas envie de refaire le coup avec les monstres qui sont un petit peu chiants et qui à chaque fois me font tomber. Donc. Attendez, il y a toujours la pièce en haut? J'avais été la rechercher et sauvegarder. Ouais, faudra qu'on aille y jeter un coup d'œil. Parce que je veux être sûr, j'ai l'impression qu'elle a pas été comptabilisée une nouvelle fois. Alors pourtant, j'avais été la rechercher après vous avoir laissé, vu qu'il y avait eu un bug qui avait fait que ça avait pas sauvegardé correctement. Voilà, donc déjà on va retourner dans... la tente. Et peut-être que le fait d'aller chercher le Jinjo, il y aura une nouvelle zone qu'on n'a pas encore vue. Parce que on a que 3 pièces et je ne vois absolument pas où pourrait être le reste, quoi. C'est affolant. Affolant. Pourtant, j'ai l'impression que j'en ai eu plus que ça. La partie avec Banjo-Kazooie aussi, je l'avais réussi. Ouais,
Ouais, ça me semble bizarre là. Enfin, je vais. Après, je ferai sûrement une ellipse et je testerai. Faut que j'en ai le cœur net parce que ça me paraît un petit peu bizarre. Ah oui, c'est vrai qu'on est invincible quand on est comme ça, c'est trop génial. Déjà, on va aller chercher notre Jinjo. Après, je vous ferai une ellipse où je vais aller vérifier le tout. Parce que ça me semble un petit peu bizarre. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on ira déjà vérifier ensemble une certaine partie. Et après, l'autre, je verrai moi-même. Allez, vas-y. Bip, bip. Boum. Jinjo, 1 sur 3, Jinjo jaune. On a que 3 ici. Y'a que ça. Ok, bon, bah, c'est radin tout ça. Mais par contre, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de pièces, mais avec tous les éléments dont on a besoin... Enfin, je vois, il y a tellement déjà d'éléments où on aura sûrement besoin d'y retourner dans la suite, que... Ah, peut-être qu'on va passer au niveau prochain et qu'on n'aura même pas la moitié des pièces ici. Ce serait bête, hein. Mais après tout, si c'est le cas, bah c'est... Ah, ça me ferait quand même bizarre de me dire j'ai même pas fait la moitié du niveau et pourtant... Et pourtant, je suis déjà parti. Mais bon, c'est ainsi. On fait les choses comme on peut. Tant qu'on y arrive. Allez! Déjà, on retourne ici. Ouh! Il y a l'escalader. La tente de. Comment elle s'appelle? Wumba? Wumba. Wingman de Wumba. Sexy Wumba. Wumba, Wumba. Hello! Merci! Banjo. Là, on va faire la petite virée. Wow! What? Oula! Là, il y a eu un bug. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un bug. Je sais pas pourquoi il a bougé un petit peu n'importe comment. C'est pas grave, hein. Il se tape des délires aussi, il devient fou à force que je trouve pas où à la suite. Là aussi, il y a ça qui me pose problème. J'aimerais monter au-dessus, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. Ouais. Non, c'est pas grave, hein. Là aussi, il y a le... Il y a toujours l'histoire avec machin ici que je sais pas comment faire. Attendez, je vais essayer de reparler à ce truc. Enfin, ce panneau. Peut-être qu'il y aura un indice. Faire sonner la cloche pour gagner une super récompense. Oui, mais pour faire sonner la cloche, faut taper assez fort. Attendez, on va réessayer. Bim. Ok. Ensuite. Ouais, j'ai essayé de rappuyer, mais rien à faire. Pourquoi il y a du temps? Ça, si vous avez une idée de comment je peux faire ici, parce que là, je ne vois vraiment pas quoi faire, et surtout comment faire, c'est ça le pire dans tout ça. Et le crâne de Mambo, ça me bloque parce que c'est ce qui me manque pour avoir plein de pièces. Oh là là, je suis bloqué, les amis. Je suis bloqué. Ah oui, je voulais aller vérifier. J'ai déjà oublié ce que je devais faire, mais tout va bien. Si j'ai pas la pièce, j'aurai sûrement pas l'autre, comme je pense. Ah oui, il y avait l'eau en dessous pour nous amortir au cas où. Au cas où qu'on se loupe. Et vas-y. Oh, je t'ai esquivé. Respect, mec. Il y a le Beyhir qui me pose. Beyhir, je voulais revenir en forme voiture et j'y ai pas pensé. Déjà, j'ai envie de voir s'il y a la pièce. Est-ce qu'il y a la pièce? Oui, non, oui, non, oui, non. Heure de vérité. Non, mais j'en ai plus que ça, des pièces. Ouais, mais non, il y a plus la pièce. Marrant, il y a une sorte d'ombre. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Ah non. J'essaie de me mettre droit. Non. Voilà, droit. Yep, voilà. Et là... Voilà, c'est pour traverser la map. Mais ça me sert pas à grand chose. Oh, attendez. Attention. Oh. Je suis doué. Oh. Mais comment il a fait pour m'avoir, lui? Non, mais vous avez vu depuis où il a tiré? Mais n'importe quoi! Il n'y a plus de respect! Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me retransformer 2 secondes. Je vais aller voir ce Payfear, mais je vous fais une ellipse parce que je ne veux pas vous refaire 10 000 fois la même chose. Donc, sur ce, à tout de suite! Voilà, on se retrouve devant le Payfear et on va tout de suite tester si ça sert à quelque chose. Il est ici pour entrer dans l'effroyable chaufferie de machin bidule chouette. Ah, et donc on peut payer comme ça. Ok, donc ça servait bien à quelque chose. Vous pouvez essayer l'attraction. The Inferno. Eww. Donc ouais, comme je pensais, ça servait bien à quelque chose. Oula. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, toi? Essayer d'y aller avec le véhicule. Alors je sais pas si ça sert à quelque chose ou non, mais... Oh.
Allez, nous on est des fous, on y va en véhicule. Alors, c'est une course, c'est ça? Oh! Oh my god! Oh, qu'est-ce que je voulais regarder là-bas? Bah voilà ce qui me manquait depuis... Oh, si, il y a aussi plein de véhicules ici. Oh oui, j'aime bien cet endroit. Allez, ouvre-moi ça. Ah, oh, c'est une page de Cheeto. Yeah! Ah, vous voyez? Putain, je crois que c'est vraiment l'élément manquant qui m'a bloqué durant 2 épisodes. J'ai pas pensé avant. Ah, ça, c'est... même chiant. Voilà, moi, ce que j'en pense. Ah, ah, oh non, je glisse. Non. Je sais pas si on va dans la lave. Ah, ah, on est invincible. On ne craint rien. Wow. What? Ah, c'est pour... Le machin tout en haut, il y a une pièce de puzzle, c'est ça? Allez, vas-y. Ah, il y a le saut pour avoir la pièce de puzzle. D'accord. Ah, il faut rester. Ah, ok, je viens de comprendre. On va devoir séparer Banjo Kazoo et Banjo va rester sur la plateforme et Kazoo, il va sauter comme d'habitude. Bon, bah, c'est parfait. On a la plateforme. On va pouvoir retrouver notre chère Womba. Elle va nous retransformer. On va retourner là-bas et on va pouvoir... enfin avancer, parce que alors là c'est vrai qu'on était un petit peu en train de stagner et moi-même je vous avoue que dans ce genre de moment ça met un petit peu mal à l'aise, parce que c'est vrai que quand vous jouez à un jeu, vous cherchez etc, bon vous dites au bout d'un moment allez ça me saoule, je veux voir les astuces ou vous passez du temps à chercher, mais bon il y a personne vraiment qui vous regarde, alors que quand on vous regarde déjà avoir des astuces, enfin pour vous le but c'est quand même de faire le jeu soi-même et de compter sur votre aide si on est bloqué, donc déjà regardez soi-même les astuces, c'est niette. Et après, chercher pendant 10 000 ans, bon, après faire une ellipse, quoi. Mais c'est quand même plus fun si on peut chercher ensemble. Bon. Pour la peine, vu qu'on n'aura pas fait grand-chose, cet épisode va durer un petit peu plus longtemps. M'en voudrait sûrement pas, je pense. Hein. Alors là, déjà, on va faire gaffe de pas tomber. Attention, saut de la mort! Wouhou! Là, on va séparer Banjo-Kazooie. Allez, Banjo! Donc là on est obligé de faire le tour, on peut pas faire le méga saut d'abord qui tue. Par contre je sais pas comment il fait pour tenir avec une température pareille. Tac la lave et tout. Ouh. Zelda fallait la tenue du feu, la tenue Goron. Oh elle était bien cette tenue, super jolie, tout en rouge. C'est vrai que la tenue Zora était quand même plus classe en bleu. Alors, faut dire que je préfère le bleu comme couleur. Donc. C'est un petit peu normal. Vous êtes prêts? Oh je vais trop vite là. Voilà! Aïe! 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 Ouch! Bon, bah, je vais mourir, hein, c'est décidé. Non! Quoique, peut-être ça aura plus le mérite que je meure, hein. Parce que là, avec un point de vie, vous me direz, je vais pas aller loin. Hein. Ouais, bon, voilà, hein, je meurs. Je fais exprès, hein, je fais exprès. Bien sûr, ça se voit, ça se connaît. Hein. Me fait juste pas réapparaître en endroit chelou. Oh, oui, c'est bien, oui. Bon, je vais refaire le chemin avec Banjo, mais c'est pas grave. Si c'est le prix à payer. Voilà. C'était une technique connue des moines Shaolin. Vous sautez dans la lave et vous sursautez. Un petit peu comme dans Mario 64. Vous tombez dans la lave et vous faites un saut de 10 mètres de haut. Je vous savais pas comment, mais tout est normal. Attendez, on va déjà attendre que l'autre descende. Quoique. Non, mais. Il a refait la bêtise. Allez, enlève-moi ces bottes. Ça a rien du tout. Allez. Là, donc là, on saute. Saut. Mais, je t'ai dit de sauter. Tu connais le mot sauter? Voilà, on saute. Saute. Non. Dépêche. Allez, encore un saut. Non, mais on est censé... On est censé sauter comment? Vous m'expliquez? Je sais pas comment on est censé faire le saut. Bon, allez, on recommence. Après tout... Jamais 203, change-moi de perso, prends-moi Banjo. Allez, on refait le coup du saut de la mort qui tue. Oh, j'ai trouvé la technique. Le sac permet de planer. Planons. C'est logique, hein. Le sac permet de planer, ça c'est connu depuis des millénaires. Allez, on recommence. Ah là 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 là. Bim. Et bien sûr, on esquive rien du tout. Bien sûr, on esquive toujours pas. Parce que esquiver c'est pour les nuls. Il faudrait que je m'arrête, ça irait plus vite, non? Ouais. Parce que faire les deux en même temps, c'est pas le top. Ah. Allez,
Parce que bon... Non. Oh. Ouh. 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 Youhou. Yes, 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 yes. Yes, une pièce de puzzle en plus. Enfin. Bah dis donc. On aurait du mal avec les pièces, hein. Attention. Oh. Bah voilà, on sera mort de manière très classe. Au moins l'avantage... Pitié, dites-moi pas que j'ai juste... Faut juste pas que j'ai à récupérer la pièce. Attendez, on va vérifier, j'avais 3 pièces. Ah ouais, non, je crois que j'ai 24, donc là c'est bon. Ouais, 4 sur 10, c'est bon. Voilà, toujours, c'est juste le petit truc qui me faisait peur. Bon. Allez, on retourne. Oh, taillot. Y'a un truc là-bas. Ah oui, y'a le machin. Allez. Yep. Et j'en ai besoin si j'ai envie d'avoir le pouvoir de Mambo. Donc on va aller voir notre cher Mambo. Oh oui, Mambo, tu as tant de choses à nous dire, tant de choses à faire. Oh, quoi que non, je vais être sadique, mais on a déjà bien avancé et c'est vrai qu'avec Mambo, on va avoir tellement de trucs à faire que je préfère vous garder la surprise pour le prochain épisode. Alors j'espère quand même que cet épisode vous aura fait plaisir. Ça va être enfin terminé. Des moments où on attend, on sait pas quoi faire. Là, on a déjà plein de trucs à faire. 3 endroits à faire avec Mambo. Waouh. Vraiment, là, on a de quoi avancer, je pense. Pour le prochain épisode, ça va beaucoup plus avancer. Ça fait 10 000 fois que je dis le mot avancer, mais tout va bien. Si cet épisode vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à commenter, me donner vos astuces. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Banjo Toy, les amis. Donc sur ce, ciao à toutes et à tous.